Fais la tronche. Bravo. Un superbe mouvement. Un geste ancestral. Mais toi, il peut-être que tu l'as. Hein. Belle. Magnifique. Bon, bah alors, raconte là, qu'est-ce que tu as vécu? Alors là, c'est pas compliqué. C'était un tournage de galette. Tout est une question de rythme. 1, 2, 3, 3, je tourne. Et on fait une galette parfaitement ronde. Comme cette-ci là. Comme celle-ci. J'ai laissé un peu d'espace sur le côté. Un peu noir sur le côté, un peu d'espace pour. Pour se permettre de bouger au mieux, en fait, c'est marrant. Ah oui, c'est vachement intéressant. Mmh. D'accord. Bravo. C'est ça. Après, tu retournes, hein. Ah ouais. Voilà. On va galette au milieu. Et voilà. Là, c'est réussi, là. C'est pas la plus réussie, mais c'est une galette artisanale bretonne. Ouais. Voilà, c'est pas. Sinon, faut acheter des galettes industrielles à Carrefour. Hein. Ah ouais? T'auras peut-être pas le même goût par contre. Ah oui, ça c'est. C'est une question de choix. D'accord. Voilà. Vraiment, bravo. Hein. Merci. Ah, c'est extraordinaire. Il y a des mille qui pensaient. Stop. Ça, Jacques, c'est que le cœur est encore presque pas cru, mais pas loin à cœur. N'oubliez pas que je suis fils de Malouine. Allez, chin aux champignons de Gérard. Allez, santé. À ma paix. À des champignons. À GG. Des pieds, Gérard. Ouais, moi, je l'accompagne. Bon, bonjour, je m'appelle Gérard, je fais la formation de crêpier, je vais monter mon food truck, et si t'es gentil, tu viens voir sur les marchés, et tu deviendras mon ami. Bon, et toi alors, tu vas faire quoi? Bah moi, j'ai ouvert une grande chaîne de restaurants hein, qui va inonder l'Irlande de crêpes et de galettes. D'accord. Retenez mon nom, Louis Brancourt. C'est tout ce que j'ai à dire, quoi. Et tu veux... Louis Brancourt. Louis Brancourt, retenez mon nom, vous en entendrez parler. C'est vrai. Boum. Yes. C'est pour toi. Non, mais je vais pas y arriver, Patrick. Hein? Non, je vais pas y arriver tout de suite. Non, ça qui me dérange, c'est que là, j'ai l'impression d'être vidée, j'ai plus rien dans la tête. Ne riez pas, parce que... Bah oui, non, mais ça va être compliqué. Alors, attends. Oh, il y a des goûts dans la gueule. Il y a des gros grumeaux. Une crêperie en Irlande, crêperie traditionnelle, ça sera un nouveau produit en Irlande qui existe déjà en France mais qui est tout nouveau en Irlande. D'accord. Et j'espère que ça va cartonner. Et maintenant je sais faire des crêpes comme un roi. Donc, comme le roi Louis. Comme le roi Louis, exactement. Et on doit se rappeler de ton nom. Et venez me voir en Irlande dès novembre pour l'ouverture de la crêperie. À Dublin? À Dublin, juste au sud de Dublin, à Bray. Après? À Bray, B-R-A-Y. D'accord. Dans le county de Wicklow. Merci Louis. Bah je t'en prie Loïc, merci à toi. Patrick. Oh là là. Merci Loïc, genre. Crêperie alors, Loïc. Non, l'Heroïque. Mais l'Heroïque. L'Heroïque. En fait, tu viens de tout gâcher quoi. Alors c'est vraiment super bien. Tiens, moi je dis van life. Ah ça c'est fabuleux ça. Ça c'est ta future vie ça, c'est ça? Ah oui, et en fait, je pense que la maison de l'Heroïque. Oui. Elle va adopter une autre vie parce qu'il est assez nomade dans sa tête, minimaliste dans sa tête, et que l'idée d'aller rencontrer des gens et de les former et de voyager à travers l'Europe avec son camion, c'est pas par hasard. Voilà, les rencontres ne sont jamais par hasard. Et ce sera le futur chapitre de exactement. Sa vie. Exactement. Voilà, ma 19e vie. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je t'invite bien sûr à rejoindre la chaîne YouTube en activant la petite clochette et bien sûr de rejoindre le groupe L'Heroïque sur Facebook, L'Heroïque L-E-R-O-I-C, pour partager tout plein de choses avec des passionnés comme toi. À très bientôt, merci.